que les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Het is tijd dat je nu voor goede vrienden kiest. Zijn jij nooit bang geweest dat die iets gingen? Ik heb eigenlijk met iedereen. Ze maakt me heel tof van mijn terre. Dan word ik zo boos. Je voulais vraiment clôturer un chapitre. J'avais plus de connexion. J'avais encore de la connexion avec ce que j'avais fait avant, mais j'avais plus de connexion avec de répéter ça, de faire encore une fois. Donc, j'avais l'impression avec ces trois films que j'avais clôturé quelque chose et j'avais une envie du coup peut-être j'avais envie de faire quelque chose qui était plus vivant, moins fermé et surtout de vraiment raconter une histoire, d'essayer quand même de quitter ce terrain d'une atmosphère, d'une émotion, mais de vraiment mettre mon focus sur l'histoire, quoi. Je sentais aussi très vite que je ne voulais pas du tout... je ne voulais pas que raconter l'histoire d'un jeune, un adulte, que je voulais vraiment raconter plutôt l'histoire d'une génération ou d'un groupe de gens, comment ça se développe entre eux, amitié, loyauté, le passé qui te suit. Et cet équilibre entre tous ces personnages, ça c'était autre chose parce que c'était très très... c'était dur de trouver. D'abord dans le scénario, mais dans un scénario, ça reste un scénario. Je veux dire, tu sais qu'il y aura encore la liberté pendant que tu filmes et pendant le montage pour changer. Et c'est sûr qu'on a encore dû changer beaucoup pendant le montage. Donc, oui, c'est un équilibre. Je trouve ça toujours très intéressant quand tu as un scénario que tu sais que c'est pas, tu n'as pas écrit un livre, quoi. Tu as un truc qui va encore se développer. Et si ça ne développe plus quand tu filmes ou quand tu fais le montage, oui, c'est ça. Je ne sais pas du tout pourquoi tu le filmes en fait. Du coup, nous avons tout le monde pour vous aussi. En tout cas, c'est nous, Zanek. D'accord, ça. Vooral wiskunde, aardrijkskunde en Frans zijn problematisch. Dus. Hij moet leren van ja, beter te werken. En ik wil gewoon dat hij gelukkig is. En dat hij mij gelukkig maakt. En nu verprutst ook zijn schooljaar. Mon problème, c'était le scénario est là. Et j'étais convaincue. Les adolescents sont des adolescents et ça ne change pas tellement chaque génération. C'est-à-dire ça change très fort, mais la base reste la même. Donc je me suis basée un peu sur mon adolescence moi-même. Bien sûr, je n'avais pas de GSM, pas de réseaux sociaux, là là là. Donc ça, j'ai dû adapter peu à peu quand j'étais en train d'écrire. Je n'avais pas vraiment envie d'aller au skatepark et aller parler avec des jeunes qui n'allaient pas jouer dans mon film. Parce que là, je me suis dit, ils sont très différents. Ce n'est pas que tu parles à un jeune et tu comprends toutes les autres. Je voulais vraiment parler avec les jeunes qui allaient faire le film, surtout parce que je savais déjà que j'allais utiliser plein de choses d'eux-mêmes, de leur personnalité, du fait qu'ils étaient jeunes, des adolescents. Et surtout, je ne voulais pas des jeunes qui regardaient la télé chaque soirée avec leurs parents dans le fauteuil, avec tout le respect, mais je n'avais pas besoin de ça. Je devais avoir un jeune qui pouvait aussi expliquer à moi comment ça sent d'être jeune et d'être dans une situation de fumer un joint et de boire trop de bière. Ce qu'on a fait, ils avaient un GSM, chacun avait un smartphone de la production qu'ils devaient rendre le soir même. Ils savaient qu'ils devaient filmer quand ils étaient libres, ils devaient filmer, enfin devaient, c'était suggéré de filmer. Et je dois dire que j'ai une trésor des images, c'était dur pour éliminer, quoi, parce que j'ai rigolé, c'était dur, c'était beau, c'était triste, c'était tout. Et surtout, c'était chaque fois eux. Enfin, c'était chaque fois le personnage, mais le personnage était tellement proche de leur... Oui, oui, c'est ça. Mais c'était vraiment super, ils étaient surtout émus de voir comment ils avaient compris ce que je voulais dire. Le style que j'ai choisi, c'est on est toujours là, on a la liberté de filmer tout. Donc, si on parle des scènes plus explicites, ça serait aussi pas du tout en aide
de du coup ne pas être là ou sortir de la chambre, surtout si on choisit aussi de montrer de la violence où les gens ne se posent pas très vite des questions. Dès que ça devient plus sexuel, c'est déjà un pourquoi. En même temps, ce n'était pas du tout non plus genre on va montrer, on va choquer. On va être, enfin, j'avoue que ça peut être choquant, mais je veux dire, c'était pas justement, genre on va prendre, ouais. C'est pas choquant pour ça. Oui, c'est ça, c'est choquant pour ce qui se passe, mais pas parce qu'on ose. Pour moi, c'était pas une c'est question. Pas voyeuriste, oui, voilà. Regarde-moi, je montre tout ce que toi tu veux pas voir. Je me suis dit non, je le montre parce que je suis là tout le film. Donc oui, malheureusement, je suis aussi là quand ça se passe. Je suis surtout dans le film pro les adolescents, mais je voulais pas non plus dire, enfin, je voulais juste dire c'est compliqué. Et le plus important comme adulte, c'est surtout d'oser dire j'ai aucune idée comment je dois le faire. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire et je j'ai pas de connexion ou j'ai peur. C'est aussi souvent que tu as peur que ton enfant sera pas cet enfant idéal ou cet adulte idéal que tu avais en tête. Et c'est aussi une question d'oser dire ça et d'oser montrer tes faiblesses. Et ça, les adultes ne font pas, ils ont tout sous contrôle. Het is niet doordat jij ons bedankt. Na alles wat wij voor u gedaan hebben. Wie zeg jij eigenlijk van mij?